Comment augmenter ses pouvoirs? Comment passer à un niveau supérieur? Comment obtenir plus de succès et de faveur dans cet univers créé par le maître de l'univers? Premièrement, vous devez savoir que tout ce que vous mangez ne fait pas seulement que nourrir le corps, mais nourrit votre âme. Parce que vous devez vous rappeler que vous êtes une âme dans un véhicule terrestre qu'on appelle le corps. Maintenant, ce que vous mangez a de l'énergie. Et certaines nourritures ont une énergie positive pour l'âme, et d'autres nourritures ont une énergie négative pour l'âme et détruisent l'âme. Et si vous voulez vivre plus longtemps, être en santé et attirer vers vous le succès, vous devez avoir plus d'énergie positive dans votre corps. Alors en mangeant des aliments qui sont positifs, qui ont une énergie particulières qui ont été traitées d'une manière très respectueuse selon des rites et des rituels spécifiques pour conserver toute leur énergie. On parle entre autres des aliments qui sont cachers. Donc tous ces aliments-là que vous pouvez trouver à l'épicerie, qui ont un code comme COR inscrit sur le contenant avec un cercle ou vous allez voir MK ou avec un cercle sur bien imprimé, on appelle ça un tampon de cache-route. Vous allez voir un K avec un cercle ou un U avec un cercle. Donc, en allant chercher ces aliments-là, ce sont des aliments qui ont une énergie supérieure, qui vont vous donner plus de pouvoir au niveau de votre âme, plus de connexion avec le maître de l'univers, vous allez avoir plus de succès parce que ça va attirer vers vous grâce à votre énergie positive, plus de bénédictions, plus de ce que vous voulez, vous allez avoir plus de pouvoir pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que on ne mélange pas la vie avec la mort.